si les plantes cachaient bien leur jeu, et si les apparences étaient trompeuses. Tout le monde ne s'est pas endormi ? Donc juste avant les questions, pour vous expliquer pourquoi je suis ici et pourquoi Patrick Laurenti a pensé à moi, vous avez vu qu'à la fin du film, on vous parle d'un colloque qui s'est passé dans les Carpates au milieu de la nature. Le dernier était beaucoup moins poétique, mais il a eu lieu sur le campus ici au mois de juillet dernier. Donc c'est pour ça qu'il a pensé à moi, parce que je travaille avec un certain nombre de gens que vous avez vus dans le film, et donc ce colloque a eu lieu régulièrement depuis, celui-là ça devait être 2005 ou 2006, et donc il a eu lieu à Paris en juin dernier, il a lieu en Russie, et pour rebondir sur ce que disait František Balúska, la science est très conservative, c'est un domaine effectivement qui pose plein de questions, parce que ça remet un peu en cause la position du végétal tel qu'on le voit habituellement. Mais en fait, il faut savoir que depuis ce film, en fait, donc, et depuis une dizaine d'années, voilà, c'est de plus en plus reconnu. Il y a eu des luttes assez difficiles au départ, hein, sur ces prises de position par rapport au domaine de ce qu'on appelle la neurobiologie. Tout le monde a mis de l'eau dans son vin, en fait, à savoir déjà que la société qui s'appelait Plant Neurobiologie a changé son nom en 2009 pour s'appeler Plant Signaling and Behavior, pour enlever en fait le mot neurobiologie qui donnait de l'urticaire à pas mal de gens. Ceci dit, le travail reste exactement le même, mais le fait est qu'il y avait quand même un blocage par rapport à cette société, ce qui fait qu'il y avait des étudiants qui n'avaient pas le droit de venir, il y avait une censure sur un certain nombre d'équipes et de travaux. Donc il y a un geste qui a été fait dans ce sens-là, donc maintenant ça s'appelle Plant Signaling and Behavior, il y a un journal qui porte le même nom, et il y a un certain nombre de gens qui en 2005 avaient écrit des papiers pour s'opposer à Plant Neurobiologie, qui maintenant viennent au colloque, et donc la discussion s'enrichit et est beaucoup plus large. Donc ça prendra du temps. Je pense que, comme toute idée un peu originale, quoique pas tant que ça si on remonte à Darwin, et puis même avant Darwin, il y avait des gens qui finalement considéraient les plantes avec beaucoup plus d'attention. On faisait finalement moins de différence entre les plantes et les animaux. Mais donc là, c'est vrai qu'au cours du XXe siècle, avec l'hyperspécialisation, on se centre beaucoup plus sur des sujets plus précis et on perd un peu de vue un certain nombre de données. Donc voilà, en gros, pourquoi Patrick a pensé à moi. Donc si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre dans la mesure de mes moyens. On va poser des questions, si vous n'en avez pas déjà, pour vous lancer et vous donner des idées. Donc, on peut faire la première question. Oui, donc dans le documentaire, on parle d'intelligence des plantes. Et on se demandait, c'est la question basique, mais qu'est-ce qu'ils peuvent entendre par intelligence des plantes ? En fait, là, ça dépend de la définition de l'intelligence. Alors, il y a plein de définitions de l'intelligence, vous vous en doutez. Quand il parle d'intelligence des plantes, en fait, ça va être la capacité d'une plante à s'adapter à une situation et à interagir avec son environnement. En fait, je pense que ça va pas au-delà. Hein. Donc, le terme d'intelligence, effectivement, faut voir comment on l'utilise. Mais il y a une remarque qui a été faite récemment. Si vous avez vu, il y a un article qui est paru dans Le Monde sur la question de la plante neurobiologie au début du mois d'avril, je crois. Et en fait, il y a une personne qui, je ne sais plus le nom, excusez-moi, mais qui reprenait la correspondance avec l'intelligence artificielle. Si vous arrivez à parler d'intelligence artificielle avec une machine, effectivement, l'intelligence chez les plantes, quant aux capacités à interagir, on peut se poser la question. Donc effectivement, une plante, elle est capable de faire un certain nombre de choses qui sont déjà assez surprenantes. Je pense que le film a illustré des choses. Après, on ne dit pas qu'une plante a une capacité d'abstraction et va vous pondre un poème. Ce n'est pas la question. Hein. Mais donc, elle est capable d'interagir avec son environnement de façon assez réactive. Et justement, pour son interaction réactive avec la musique, comment elle peut danser avec la musique, c'est un peu bizarre. Alors oui. Pour tout vous dire, cet aspect-là, il n'est pas compris à l'heure actuelle. Alors, ce qu'on sait par contre, ça c'est des expériences qui ont été faites, il y a un certain nombre de publications qui sortent comme quoi les plantes sont capables de percevoir un certain nombre de fréquences. Donc, il y a des publications qui sortent de plus en plus sur cette question-là. Moi, je vais vous donner juste un exemple sur des travaux qui sont faits avec des collègues František Balúska et en Italie. En fait, ils ont montré quelque chose qui est quand même déjà qui interpelle, je trouve, c'est que ils ont tout simplement fait pousser des plantes
en état contrôle, donc il ne se passe rien. Donc vous avez le gravitropisme, vous avez la racine qui pousse bien droit vers le bas, la partie aérienne qui monte, tout va très bien. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait écouter le bruit d'une rivière. Donc en gros, ils ont passé un enregistrement du bruit d'une rivière, et ce qu'ils ont vu, c'est que la pointe des racines s'orientait vers la source sonore. Donc ce qu'ils ont fait après, c'est qu'ils ont regardé le spectre en fait, de fréquences qu'il y avait dans le bruit d'une rivière. Il se trouve que la fréquence dominante, enfin les fréquences dominantes se trouvent de 100-200 Hz. Et donc en appliquant simplement après 100 ou 200 Hz, ils retrouvent la même réponse, c'est-à-dire que la pointe de la racine va s'orienter vers la fréquence. Et nous, on, au laboratoire, on participe à ces travaux. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué cette fréquence sur les plantes et on est allé regarder des réponses cellulaires qui sont connues pour participer à l'audition dans les oreilles, les nôtres et celles des mammifères, et à savoir des productions d'espèces actives de l'oxygène, l'activation de canaux potassiques, de canaux calciques. Donc c'est des choses qui sont bien décrites sur les modèles animaux. Et en fait, on s'est rendu compte que les fréquences de 200 Hz étaient capables, chez les cellules végétales, d'activer des canaux potassiques, d'activer des canaux calciques et de générer des espèces actives de l'oxygène. Alors je ne dis pas que les plantes ont des oreilles, hein, que ça vous est clair, c'est toujours la même chose. Ce qu'on se dit, c'est que voilà, vous avez des mécanismes moléculaires qui pourraient être conservés pour percevoir les fréquences. Alors une remarque aussi que faisait un collègue italien, c'est que les plantes, elles poussent dans un environnement qui est extrêmement changeant, et contrairement aux animaux, elles n'ont pas la capacité de mobilité. D'accord ? Elles ne bougent pas. Et ça serait curieux d'un point de vue évolutif qu'elles se privent finalement d'une source d'information telle que le son. Alors ça, c'est juste une idée, mais vous voyez que bon, cette idée, elle est quand même raisonnable à défendre, et effectivement, on trouve des mécanismes qui ressemblent à ce qu'on voit sur des modèles animaux et qui sont activés en réponse à des fréquences précises. Voilà, c'est un sujet en cours. Toujours sur la perception, vous demandez, quand on parle du fait que je crois que c'est le petit bois qui a été frotté à plusieurs reprises et qui a modifié sa pousse pour éviter l'obstacle, comment est-ce que les plantes peuvent percevoir un sens du toucher si elles n'ont pas de nerfs? Si elles n'ont pas de nerfs. Ah bah, ça, après, le nerf, il sert à quoi? Il sert à conduire une information qui est électrique en général. Alors, la conduction d'informations sur des longues distances chez les plantes, ça, c'est connu depuis très longtemps. Il y a des potentiels d'action chez les plantes qui sont véhiculés en général par le phloème. Si vous connaissez un peu la structure du phloème, donc vous avez des cellules qui sont en continuité. Et donc, vous avez des conductances comme ça, électriques, qui sont bien connues. Vous avez des potentiels d'action, vous avez d'autres formes qui passent par le xylème, qui peuvent passer par d'autres cellules. Donc ça, c'est très connu et de plus en plus travaillé à l'heure actuelle. Donc la conduction d'un message, qui en général d'ailleurs n'est pas uniquement électrique, vous avez un message calcique, vous avez des espèces actives de l'oxygène, vous avez des ondes de pression. Donc finalement, c'est certainement plus complexe que dans les modèles animaux et sur des structures qui ne sont pas spécialisées uniquement pour la conduction, à l'inverse des modèles animaux. C'est-à-dire que là, vous avez des structures qui finalement servent à la conduction des sèves. Mais comme vous avez finalement, je dirais, une plomberie qui fait tout le long, elle est aussi utilisée pour véhiculer des informations sous d'autres formes. Alors, votre question, il y avait deux aspects. Il y avait l'aspect signalisation longue distance, c'était... Percevoir le contact... Alors ça aussi, il y a des données qui montrent à l'heure actuelle, effectivement, que quand une racine, elle s'approche d'une autre racine, même, par exemple, elle ne va pas la toucher directement, elle va l'éviter. Donc ça veut dire qu'elle perçoit qu'il y a une autre racine à côté. Donc là, il y a plein de séries d'expériences que je ne vais pas vous décrire tout ici, où on ne comprend pas encore exactement ce qui se passe. Je vais juste vous en décrire une qui, pour moi, est très parlante. Vous connaissez les haricots, donc qui ont une croissance volubile, vous savez, quand ça pousse, en fait, parce que finalement, le mouvement chez les plantes est permis par la croissance. Et donc ces haricots, ils tournent comme ça, dans l'air. Et on pensait que c'était finalement uniquement la croissance, c'est quelque chose d'extrêmement mécanique qui les faisait tourner. Et donc des expériences qui ont été faites, ça a été de mettre un poteau en terre, à côté, puisqu'il s'accroche, et on fait pousser le haricot. Et on se rend compte que le haricot, il tourne, mais que finalement, il s'oriente vers le poteau, sans savoir. Enfin, visiblement, justement, il sait où est le poteau. Et ça, on ne sait pas comment ça se passe. Et de façon donc plus curieuse, lorsque vous mettez deux haricots de part et d'autre du poteau,
eh bien, vous avez les deux qui vont essayer d'attraper le poteau. Et donc, il y a des films qui montrent que le haricot, il tourne, il se dirige vers le poteau. Et à partir du moment où il y a un des haricots qui a attrapé le poteau, le second, qui n'a jamais touché le haricot ni le poteau, eh bien, hop, il réoriente et il va chercher ailleurs. Donc, ça veut dire que le second haricot sait que le premier haricot a gagné la course. Et alors, les gens qui ont fait ces expériences ont essayé plein de stimuli pour essayer de voir qu'est-ce qui pouvait perturber cette réponse. Et donc, en jouant avec la lumière, en jouant avec la température, plein de paramètres. Et le seul, finalement, stimuli qui perturbe complètement le haricot, qui l'empêche de trouver le poteau, eh bien, c'est d'envoyer des ondes sonores. Donc, il ne parle pas, je vous rassure, d'écolocalisation comme chez les chauves-souris. On n'a pas rien décrit de ce type-là. Ça, on ne sait pas encore comment ça se passe. Donc, c'est là encore, il y a des travaux qui sont faits. Je ne vous cache pas que ces films, ils datent d'il y a 5-6 ans, et bah, la réponse n'est toujours pas là. Mais donc voilà. Alors, c'est vrai aussi qu'il n'y a pas encore énormément d'équipes qui travaillent sur ce genre de sujet. Donc, plus il y en aura, plus ça avancera. Mais c'est en cours. Voilà. Encore une petite question. Ce niveau des plantes carnivores, comment elle sait que c'est maintenant que sa proie est sur elle qu'elle doit se refermer ? Alors ça, c'est très bien décrit par contre. Par exemple, quand vous avez la trappe chez les Dionées, vous avez des petits poils à l'intérieur. Et en gros, il faut que le petit poil soit touché plusieurs fois. C'est-à-dire que pourquoi toucher plusieurs fois ? Parce que s'il y a une feuille qui tombe, c'est passif, il ne faut pas que la Dionée se referme. Donc il faut que la proie, quand elle est dedans, elle bouge et elle touche deux fois le poil. C'est-à-dire que quand elle touche une première fois, vous allez avoir un potentiel d'action, donc une signalisation électrique qui est générée. Donc, disons, il se passe quelque chose. Et quand la proie, en bougeant, elle touche une deuxième fois, là, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une feuille, donc elle se referme. Et si, enfin, pas si, quand la trappe s'est refermée, eh bien, ce qui se passe, c'est que la proie, forcément, elle essaye de bouger. Et si elle touche encore une troisième fois le poil, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, elle va induire la sécrétion des enzymes hydrolytiques qui permettent donc de digérer cette proie. Et alors, là où ça va même encore plus loin, ce qu'ils ont montré, c'est que plus la proie est grosse, plus elle va toucher les poils et plus la quantité d'enzymes hydrolytiques sécrétées va être importante. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement contrôlé et ça part d'un signal électrique au départ. Donc, voilà. Est-ce que l'un d'entre vous a des questions ? Ou... Est-ce que c'est parce qu'on est trop centré sur les animaux, par l'étude des animaux, qu'on a du mal un peu à comprendre les mécanismes des plantes, ou est-ce que c'est parce qu'on n'a pas envie de chercher là-dedans ou... Alors, bon, ça c'est de la sociologie, je ne suis pas du tout spécialiste, soyons clairs. Moi, il y a une illustration que je montre assez fréquemment, c'est des études qui ont été faites où vous avez en fait, on vous montre une photo où, dans une jungle, donc tout est vert, d'accord ? Et vous avez, enfin c'est des films en l'occurrence, et vous avez une petite bête qui passe. Ça dure 2 secondes. Vous avez vu la photo pendant 10 secondes. Et après, on fait un questionnaire. Qu'est-ce que vous avez vu ? On ne vous parle que de la bête. Alors que ce que vous avez vu principalement, c'est des plantes. Alors les études ont été faites, quand je dis on ne vous parle que de la bête, je crois que c'est 80% des hommes ne parlent que de la bête, ou 90%, et chez les femmes, c'est un peu moins, elles sont un peu plus sensibles aux plantes. Mais si vous voulez, ça reste quand même, on s'intéresse à ce qui bouge, à ce qui est le plus proche de nous. Alors je ne vais pas faire d'interprétation au-delà de mes compétences, mais en fait, les plantes, ça ne bouge pas, elles sont toujours là, on n'est pas inquiet par rapport aux plantes, donc on n'y pense pas. Et c'est vrai que toute la perception et donc tout ce qu'on va mettre derrière nous lorsqu'on travaille sur les plantes est certainement influencé par rapport à tout ça. Et c'est vrai que du coup ce champ de plantes neurobiologie est un peu dérangeant parce que ça perturbe finalement des fonctionnements, je dirais, plurimillénaires qu'on a par rapport aux plantes. Les plantes, c'est domestiqué, on en fait ce qu'on veut, ça parle pas, ça râle pas, voilà. Est-ce que du coup, en tant que chercheur en biologie végétale,
vous avez parfois vous êtes mal vu, je sais pas, par la communauté scientifique, et ils disent ah mais ils sont perchés, pourquoi ils sont perchés? Alors moi personnellement non, on m'a jamais dit ça bien sûr. Mais pour ce qui est de la société Plante Neurobiologie, ils ont fait une publication en 2005 pour introduire le terme et la discipline. Et alors là, il y a eu des réactions, mais d'une violence extrême de la part de la communauté scientifique, hein, en disant qu'effectivement, c'était perché, c'était n'importe quoi, c'était pour se faire mousser. Donc, ce que je dis, il y a eu ce débat, cette discussion, elle a été assez véhémente. Il y a eu des articles en critiquant les papiers, en disant c'est n'importe quoi, ils tapaient sur tout systématiquement. Mais je vous dis, il y a des gens qui ont signé ce premier article en 2005, en critiquant de façon très véhémente ce domaine, et qui, en 2016, viennent au colloque de la société. Et il y a un certain nombre de gens qui ont été recontactés par les membres de la société et qui reconnaissent maintenant avoir réagi un peu fortement et qui, effectivement, vu le nombre de publications qui sortent, qui sont de bon niveau, qui sont vérifiables, il y a quand même beaucoup de choses. Alors, il y a tout un champ aussi qui est très, très important, qui est mentionné dans le film. C'est ce qu'on appelle la chemical ecology maintenant. Il y a des colloques dédiés à ça. C'est les moyens de communication entre plantes via toutes les molécules volatiles. Donc ça, c'est quelque chose qui explose depuis 10 ans et donc qui apporte énormément d'informations et de moulins finalement à cette discipline. Alors il y a d'autres expériences, je ne sais pas si c'est dans ce film, je ne l'ai pas revu avec vous, parce que je ne l'ai pas vu depuis longtemps, je ne me rappelle plus. Mais il y a des expériences, moi j'en parle aussi souvent parce que je les trouve vraiment très intéressantes. Il a été montré en faisant des traçages radioactifs, c'est-à-dire que vous mettez du carbone 14, enfin du CO2 marqué au carbone 14 sur des feuilles d'une plante adulte. Et après, vous pouvez suivre où se trouve la radioactivité. Ça a été fait en forêt. Et de façon surprenante, hein, parce qu'on ne s'y attendait pas, les gens qui ont suivi ce carbone l'ont retrouvé bien sûr dans la plante sur laquelle ils avaient exposé au CO2 marqué, mais ils l'ont retrouvé aussi dans des jeunes plantes de la même espèce qui étaient sous les arbres. Ça implique que le CO2 donc, a été fixé par la photosynthèse, et après, il circule dans les sèves et il est transmis au niveau des racines, aux jeunes plantes. Et qu'est-ce qui permet de connecter deux plantes? C'est des mycorhizes avec des champignons. Donc ça veut dire que là, vous avez une réallocation de sucre d'une plante mère vers une plante fille via un partenaire mycorhizien. Donc, la communication entre plantes est une chose, mais les réseaux d'organismes connectés, parce qu'ils utilisent le terme de réseau pour les forêts, maintenant, sont beaucoup plus complexes, certainement, que ce qu'on imagine au départ. Voilà. Le carbone 14, le CO2 marqué au carbone 14, qui a été retrouvé uniquement chez des plantes de la même espèce que les plantes qui ont été au carbone 14. Oui, il me semble. À vérifier, mais il me semble qu'il y a une certaine spécificité. Alors, on sait aussi que quand un arbre meurt, hein, de toute façon, vous avez les sources de carbone qui sont réallouées aussi. Et ça, c'est intéressant parce que quand vous avez une forêt avec une canopée assez dense, il y a peu de lumière. Donc les espèces qui peuvent se développer là, de toute façon, il faut qu'elles aient besoin de peu de lumière au départ. Mais effectivement, si vous avez une réallocation de sucre par des plantes mères, eh bien, ça peut permettre d'initier un développement dans des conditions qui sont assez difficiles au départ. Une autre question. Vous avez dit que le rapport à la musique des plantes, enfin des plantes qui se refermaient, là, finalement, on n'a pas beaucoup plus de réponses aujourd'hui. Ah, sur les plantes qui dansent, là ouais. Je prétends pas être à jour de la biblio sur le sujet. Et du coup, est-ce qu'au niveau de l'endormissement des plantes, parce que là aussi, on n'avait pas vraiment de réponse au final, pourquoi il y avait cet endormissement, est-ce qu'aujourd'hui on a plus de réponses là-dessus ? Pas à ma connaissance. Je suis désolé, hein, mais il faut qu'il y ait plus de gens qui travaillent là-dessus. Mais là encore, je prétends pas avoir toute la biblio en tête de ce qui sort, hein, parce que c'est vrai que le sujet, finalement, est relativement vaste quand on s'y intéresse, donc voilà. D'autres questions? Peut-être sur les mots qui ont été utilisés, vous n'avez pas compris? Merci. Merci. Bon, ben, merci beaucoup.